Salut tout le monde, je filme la vidéo alors que j'ai les enfants à côté et que je suis toute seule à la maison, donc si je coupe ou que je mets pause, j'en suis désolée d'avance. Je voulais vous faire une vidéo qui va être très très courte où j'avais envie de reparler d'un point que je trouve extrêmement important. Je vois sur Instagram où je suis extrêmement active ou même dans mes lives, on me pose toujours des questions, vous me posez toujours des questions qui sont mais qu'est-ce que je dois faire, comment, pourquoi, etc. Et je tiens à vous rappeler que d'une, je ne détiens pas vérité et que je ne suis pas Dieu. De deux, que je suis encore, j'allais dire sidérée, c'est un mot un peu fort et pourtant je vais quand même l'employer. Je suis sidérée de voir à quel point l'être humain a encore tendance à rechercher les réponses, l'autorité et les solutions à l'extérieur. Il y a toujours ce besoin d'aller, je le vois dans mes vidéos les plus vues, c'est les vidéos sans questions où ça répond à vos questions. Alors qu'en fait, celle où c'est comment reprendre son pouvoir intérieur, il n'y a personne qui... peu de monde qui vont les voir. Je pense que tant qu'on n'aura pas changé cette façon de penser, et attention, c'est pas une critique parce que je suis aussi passée par là, tant qu'on n'aura pas compris que notre autorité, notre pouvoir et ce que l'on doit écouter, c'est à l'intérieur et pas à l'extérieur, ben l'humanité et le monde ne pourra pas changer. En fait, je vous dis ça parce que je pense que pour pouvoir se lever pour nos droits, il est nécessaire que l'on puisse ressentir que l'on incarne la liberté et l'autorité intérieure et que tant qu'on sera toujours dans la recherche extérieure de quelqu'un qui va nous dire que faire, comment, pourquoi et qu'est-ce qui est bon pour nous, autre que nous-mêmes, eh ben ça pourra pas fonctionner parce que en fait on sera toujours dans la recherche de quelque chose d'extérieur. Donc la vie va nous donner l'opportunité d'expérimenter l'extérieur et pas l'intérieur. Je vous rappelle qu'on vit dans un monde duel, que ce monde duel c'est bien, mal, intérieur, extérieur, amour, peur, tout est duel, que effectivement on expérimente actuellement la difficulté, la dureté à l'extérieur, peut-être justement pour se poser la question à « tiens, et si je commençais à m'écouter à l'intérieur ?» Voilà, donc j'espère que vous prendrez en compte cette vidéo et qu'elle sera largement partagée parce que c'est, je crois, la vidéo la plus importante que j'ai pu faire. Je l'ai dit des milliers de fois que vous ne deviez pas écouter ce que je vous dis comme parole d'évangile, vous ne devez pas écouter ce que le gouvernement vous dit comme parole d'évangile, ce que les religions vous disent comme parole d'évangile. En fait, n'écoutez personne sans le passer par le filtre de votre propre autorité, de votre propre cœur en vous disant... est-ce que ça vibre juste pour moi, oui ou non? Oui, tant mieux. Non, c'est pas que la personne est conne, qu'elle est bête, qu'elle a rien compris ou qu'elle est complotiste. C'est juste qu'on n'est pas en accord sur certains points et on a totalement le droit d'être d'accord, de ne pas être d'accord en fait, tout simplement. Voilà, n'hésitez pas à me partager en commentaire toutes les fois où vous avez fait des rechutes, d'écouter l'extérieur plus que l'intérieur. Ma dernière fois pour moi, c'était lors du Covid, quand j'ai su qu'il y avait le Covid qui arrivait en janvier, j'ai eu peur. Du coup, j'ai réagi avec peur. Je fais souvent des petites rechutes comme ça du mental, mais c'est humain, on a un mental. Le tout, c'est d'accueillir l'émotion que l'on a à l'intérieur de nous et de ne pas être dans le jugement, ni de nous, ni de l'autre. À bientôt.